Et salut tout le monde, c'est MustBoff13. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un glitch pour dupliquer vos prestiges en multi, en zombie, et vos cartes de visite et vos emblèmes. Donc les emblèmes, ça peut marcher, ça peut pas marcher parfois. Donc bref, ça complètement, on s'en fout. Donc je vous montre, je suis niveau 1. Regardez, je n'ai pas d'emblème. Mes cartes de visite, j'en ai strictement aucune. Donc aujourd'hui, je vais dupliquer ce compte. Donc je vais être niveau 39, prestige 3, niveau 32 en zombie, niveau 2 en campagne. Bref, voilà. Donc pour faire ce glitch, tout d'abord, vous allez vous connecter avec votre compte que vous voulez upload. Donc avec votre petit compte. Donc c'est avec ce compte que vous allez lancer le jeu. Donc c'est avec le compte niveau 1. Ensuite, vous allez aller sur le multijoueur. Et en manette 2, vous allez connecter votre gros compte que vous voulez dupliquer. Donc voilà, moi c'est fait, donc allez, je remonte devant vous. Ensuite, vous allez faire rond avec votre première manette. Deuxième manette, rond. Première manette, rond. Deuxième manette, X. Il va vous mettre un écran noir. Avec votre deuxième manette, vous allez faire X. Votre première manette, double X. Et votre deuxième manette, vous allez spammer le X. Donc c'est dès qu'ils vont vous mettre le petit message. Donc alors, va falloir aller très vite. X, double X, spam X. Donc voilà, je suis en train de le spam en principe. Voilà, ça met ça. Connexion interrompue. Donc là, vous continuez à spam, vous continuez. Hop, vous êtes connecté. Vous connectez. Vous appuyez sur X avec votre première manette. Donc vous vous connectez. Hop, voilà, je suis niveau 39. J'ai les prestiges. Et là, il y a connexion interrompue. Ça va quitter. Donc on attend un tout petit peu de temps. Voilà, ça a quitté. Donc, une fois que vous avez ça, ils vont vous mettre un message d'erreur. On s'en fout complètement. Bref, bref, bref. Donc voilà, ça charge, ça charge, ça charge. Il est content. Voilà. Donc, vous avez toujours vos niveaux. Au calmouze, le pamplemousse. Donc, hop, je me déconnecte, je me reconnecte. Vous voyez, j'ai toujours les niveaux. Donc allez, on va aller en zombie pour vous montrer. Donc vous allez même avoir les gobelgums en principe. Voilà, vous avez même les gobelgums. Donc ensuite, pour que ça sauvegarde vos niveaux, il faut que vous allez en multijoueur et que vous lancez une partie en ligne, que vous faites par exemple 25 XP et vous quittez. Donc je vous montre que j'ai les emblèmes. Voilà. Hop, j'ai la carte de visite. Voilà, j'ai toutes les cartes de visite. Donc allez, on en met une, voilà, hop là. Donc, je lance une partie en ligne et je vais quitter. Donc on attend un petit peu de temps, le temps du chargement. Bon non, ça, c'est par contre, c'est un peu trop long. Hop. Voilà, parfait, la partie va commencer. Donc avec votre manette que vous voulez faire le glitch, vous allez vous faire 25 XP et vous allez quitter. Donc voilà, il y a le chargement, comme d'hab. Donc je tiens à préciser, ce glitch, je l'ai fait après la mise à jour. Donc je viens de le faire le 7 décembre. Donc hop, connecté. Donc je sais pas c'est laquelle la bonne manette. Donc il faut que je fasse avec celle-là. Ok. Juste, j'envoie la sensi. Voilà. Donc ouais, c'est bon, c'est le bon compte. Ah, c'est chaud de viser. Avec une manette cassée. Donc voilà, c'est bon. S'il meurt, je me fais des XP. Donc c'est bon, voilà, maintenant, je quitte direct. Et là, vous allez voir que j'ai toujours mes niveaux. Donc voilà, toujours ce chargement. C'est long. Voilà, j'ai toujours mes niveaux. Donc là, je me déconnecte, je me reconnecte. J'ai toujours mes niveaux. Donc là, pour vous montrer la preuve
je vais me déconnecter totalement et je vais me connecter en manette 1 avec le compte où j'étais niveau 1. Donc voilà, je vais me connecter. Là, ils vont mettre le message d'erreur, comme d'hab, on s'en fout. Voilà, il est content. Donc voilà, connexion service en ligne. Et là, comme par magie, pouf, niveau 39. Bon, aux zombies, pour que ça sauvegarde aussi vos niveaux, il faut aussi que vous lancez une partie, c'est normal. Il faut que vous lancez une partie, vous faites des XP et vous quittez. Donc voilà, je suis niveau 39. Là, regardez les emblèmes. Enfin, pardon, les cartes de visite. Voilà. J'ai les cartes de visite du multijoueur. C'est normal que j'ai pas ceux du zombie parce que j'ai pas lancé la partie en zombie. Mais si vous la lancez, vous inquiétez pas, vous avez les cartes de visite du zombie. Et tout ce que vous avez débloqué en zombie. Pareil pour la campagne. Si vous voulez avoir la campagne, vous lancez une campagne et vous quittez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de l'envoyer à la Glitchak FR en espérant qu'il m'upload. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un pouce vert. Allez, ciao tout le monde!